Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo parce que j'ai discuté avec quelqu'un sur Messenger parce qu'il a marqué un commentaire qui m'a interpellé sur Oligolib. Alors en disant que c'était un voleur, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et effectivement, à Paris, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors j'ai pas voulu faire une capture vidéo, une capture d'écran de ce qu'on a parlé parce que cette personne ne voulait pas, je lui ai demandé. Donc voilà, il a volé son patron l'a viré parce que c'est un voleur ce mec. Et je comprends pas comment on peut cautionner des mecs comme ça. C'est un voleur, c'est un manipulateur, un menteur, un violent envers les femmes et il cache bien son jeu. Tout ça on l'a dit, hein. On l'a dit et c'est même marqué dans certains commentaires. Donc c'est un menteur, un voleur, un manipulateur. Il est en train de vous manipuler. Il est en train de vous... Et vous êtes des moutons, quoi. Il vous tourne comme des crêpes, tu sais. Et vous êtes tout simplement des moutons qui suivent. Alors on parle les gens qui c'est des moutons envers le président de la République. Bien sûr, on peut appeler ça comme ça. Voilà, mais oui, on est des moutons. Non, on n'est pas des moutons. Par contre, vous êtes des moutons. Alors, pour info, non, je suis pas pour Macron, hein, parce que il y a des commentaires qu'ils ont. J'ai lu encore un qui est pour Macron, etc. Bilu, machin, souhait. Non, je suis pas pour Macron, alors pas du tout. Moi, je suis pour Front National, donc le RN maintenant, et pour Zemmour. Voilà pour qui je voterai. Mais plus Zemmour. Voilà. Donc arrêtez de suivre. Non mais des commentaires où on voit Olive, le sauveur. Bon, allez. Arrêtez. Je vous laisse lire les commentaires et vous verrez par vous-même. Allez. Et puis toi, Olive, redescends sur Terre. T'es pas le sauveur. T'es rien du tout. Hein. T'es une gueulard, un ivrogne. Eh oui, regarde. T'es un alcoolique et un drogué. Écoute ça. Au bout d'un moment, moi, j'ai même pas envie de dénigrer ces gens-là. J'ai envie de vous passer vos propres raisons par vos propres choix par vous-même. Mais quand je vois, excusez-moi, mais je vais être obligé un petit peu de taquer, mais le Olive Olive qui fait des lives 14 février, où les meufs, elles sont à poil en train de se tripoter la chenille. Excusez-moi, mais les bras m'en tombent. Comment? Alors déjà, j'ai deux questions. Déjà, comment peux-je dire je vais faire du Jacqueline Michel dans un mouvement citoyen? Alors déjà, ça c'est la première chose. Déjà, à part attirer les pervers et les gens dégueulasses, je vois pas d'autre que t'attires, hein. Et ensuite, deuxième question, mais qu'est-ce que vous suivez ce genre de personnes? Et il n'y a pas un moment où tu m'attends. Le mec, il est alcoolisé, il est en plein live, et vous suivez ce genre de personnes. T'as écouté? Voilà ce que tu es. Toi, il n'y a pas que moi qui le dis. Il n'y a pas que moi. Cette jeune dame le dit aussi. Voilà. Et vous suivez ça. Vous cautionnez ça. Vous... Je sais pas. C'est un mec qui cache bien son jeu. Et vous... Voilà. Allez, je vous laisse tirer les commentaires. Ciao, ciao.
Salut à tous. Allez, je vais rester quelques minutes sur le live. On va partager un petit instant ensemble. Je vais vous faire voir quelque chose. Il y a encore des belles choses qui existent. Une très très belle journée aujourd'hui à Revel, sincèrement. Très très belle journée avec beaucoup de sourires, beaucoup d'amour, et beaucoup de cohésion et beaucoup de personnes qui marchent main dans la main. Et c'est super important. Il va falloir qu'on continue d'avancer comme ça avec beaucoup de discussions. Hors réseau de Revel, il y a énormément de vent, il fait un froid de canard, mais on est là. J'ai vraiment adoré cette journée qui a été vraiment très très constructive. En plus, sur cette ce rassemblement à Revel, des collectifs contre le pass sanitaire, contre les obligations, des gilets jaunes, on avait des infirmières avec nous du monde du domaine médical. Enfin, c'était vraiment vraiment sympathique. Je vous demande de partager un maximum les choses, puis je vais vous faire voir. On va passer 5-10 minutes ensemble. Puis il y a encore des belles choses qui arrivent, des choses qu'on a connues il y a 3 ans, que vous avez tous connues, et qui étaient vraiment très très bénéfiques. Et en tout cas, on avait besoin de ça. Donc on va aller faire le petit tour ensemble. Vous voyez, il y a encore beaucoup de soutien, et bien tant mieux, c'est cool. Allez, je vais brancher le micro, vous inquiétez pas. Normalement, le son devrait fonctionner correctement. Bon, on va faire voir la pancarte, excusez-moi les amis. Je vais voir ça. Notre ami Jimmy qui est là. Salut Olive. La journée elle s'est passée comment? Le bonheur. Encore une fois, on constate sur le terrain ce début de convergence, ce début de rapprochement entre les gens. Olivier, là, il fout le bordel. Moi, je veux une ovation pour vous parce que je vois encore des gens qui sont réunis et c'est ça qui est important. Alors, pour une fois, je voudrais que vous applaudissiez, mais que vous applaudissiez vous-même. C'est ça qui est important. Parce que tout le monde est important. Dans ce parcours de France, dans toutes les villes, tous les villages, partout où on passe, alors il y a des grandes villes, comme il disait Jimmy, où on va trouver 1000, 2000, 10 000 personnes. Et puis d'autres villages ou de petites villes, on va trouver 100, 200, mais même 20 personnes, en fait, c'est important. Il faut se rappeler dans l'histoire de France, et il y a des personnes qui la connaissent très bien ici, parce qu'ils ont un âge plus avancé que moi, ils étaient une poignée au début, une poignée. Et souvent critiqués ou montrés du doigt ou dénoncés même, à certains moments. Et puis quand l'image du pays a changé un petit peu, bah, toute la population s'est dit « bah merde, ils avaient raison » et les ont rejoints. Donc je rejoins Jimmy et les paroles qui ont été données par les autres personnes avant. C'est important qu'on soit tous ensemble, à travers des gens qui sont contre le pass, ou des gilets jaunes, ou à un moment donné, comme on a pu connaître, les bonnets rouges, ou dans d'autres réseaux contestataires. Il faut qu'on arrive à faire cette union, et je peux vous jurer que j'essaye de faire tout ce que je peux, en tout cas, à mon petit niveau, pour qu'on arrive à réunir tout le monde. Maintenant,